bien le bonjour. J'ai entendu dire que vous escortiez Vendraprog au trou. Dans le genre sorcière de l'espace, elle se pose là. Ouais, je traîne juste dans le coin pour me trouver des petits boulots entre deux fuites. Y'a pas mal de trucs à réparer par ici. Ah, génial. Qui a mis ça ici? Oh, si c'est pas mignon de voir ça. On devrait les réveiller en douceur. Qu'est-ce qui se passe? Tachyon est de retour? Bonjour, Kronk. C'est du Zéphyr tout craché. Toujours à roupiller au boulot. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous attaque? Salut, Zeph. Bien dormi? Allez, debout, les gars. C'est l'heure de réveiller Vendraprog. On est obligé. Cette sorcière interstellaire n'en rate pas une. Ah, arrête un peu de gémir, triple andouille. Je te rappelle qu'on est censé la livrer aux autorités. Allez, on y va. Oh, maudite sorcière interstellaire. Kidnapper les terracnoïdes et s'en prendre à des citoyens sans défense, c'est une honte. Reste ici. Kronk et moi, on va réveiller Vendra. Désactivation du cryosommeil du prisonnier 9971. Prog, Vendra, veuillez patienter. Erreur. Variation de puissance détectée. Variation de puissance détectée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était... Je savais que c'était une mauvaise idée. Tout le monde va bien? Où est-ce que vous êtes, les gars? En genoux! Je vous vois. Tenez bon, Kronk. Zeph, vous êtes là-dedans? En bas! Essaye de suivre le son rassurant de ma voix! Il faut une surface magnétique pour les bottes gravitationnelles. Regarde sur ta droite, genou. Tu devrais trouver ton bonheur. Je la vois. On devrait aller dans l'aile de confinement pour vérifier que Vendra est toujours enfermée. Ça ira de votre côté? Ne t'en fais pas pour nous! Allez-y! Avec Kronk, on se charge de rétablir la gravité! Il faudra faire quelque chose au sujet de ces verrous hydrauliques. On va utiliser le super plasmo mitraille. Attends. Thank you.
Bon, ben, je crois que la grille de confinement de Vandra est désactivée. Je crois qu'on aurait mieux fait de la laisser dormir, Genou. Cette bande à proc, elle fait des trucs bizarres. Occupez-vous du générateur gravitationnel. Clank et moi, on peut gérer les astéroïdes. Système de communication. Mais c'est impossible! Il n'y a plus de courant! Je n'aurais vraiment pas dû me réveiller, mais merci de l'avoir fait. Tu vas voir, on va pouvoir s'amuser un peu avant de m'envoyer. Ascenseur rétabli. Confinement déverrouillé. Veuillez faire attention à la détenue. Nous avons besoin de ces robots-batteries pour rétablir le champ proton. Est-ce que tu écoutes toujours ce que ton petit robot a à dire? Surtout, restez bien en vue, Vandra. On vient juste pour la grille de confinement. Voyons, ne me dis pas que j'ai peur. Pas après tout ce que tu as fait. Ça me semblait trop facile. Parfait, on va s'amuser un peu.
Grille de confinement rétablie. Bon boulot, Geno. Kronk et moi, on a réussi à dévier le courant vers un générateur externe. Tu nous rendrais un sacré service si tu l'activais. Il se trouve à l'extérieur du vaisseau en passant par le sas suivant. Au revoir, Asset. À très bientôt. Projet personnel. Je l'ai déchiré en plusieurs morceaux pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Générateur de secours activé. Nom d'un petit robot, je te félicite, Geno. La gravité est rétablie. Du Nébulox. Tire d'Omni-Roquette à mon signal. 3, 2, 1, feu. Oups, mauvais bouton. Conduis-moi, mon frère. Vous autres, restez ici et assurez-vous que personne ne nous suit. J'avais entendu la petite dame. Allez au boulot, les gars. Hé, hey, elle s'enfuit. Attention, bombe pyrocidique détectée à bord. Aussi mignonne.
message à l'attention de l'équipage du Niblox 7. Ici Neftin Prog. Vous avez sûrement remarqué que nos bons amis de Tug for Less avaient criblé votre vaisseau de mine foudroyante pyrocélique. Toute tentative nous empêchant de repartir avec ma sœur entraînera votre destruction immédiate. On ne s'incline jamais face à l'ennemi, Prog. Préparez-vous à subir le courroux fatal de Kronk et ses filles. Kronk, n'attaquez pas, vous entendez? Attendez qu'on arrive pour vous aider. Besoin de notre aide. Dépêchons-nous. Moisir ici pendant si longs mois. Ah, c'était pas facile. J'ai corrompu des élus pour connaître l'emplacement du vaisseau. Gérer une vague de crimes dans la galaxie, recruter des gros bras. Mais c'est toi le gros bras. Ou du moins, tu es censé l'être.
L'univers tout entier te voit comme un héros. Mais tu sais ce que je vois, moi? Un lâche. Quelqu'un qui n'a même plus le courage de retrouver les siens. Tu ferais mieux de nous libérer, maudite sorcière! Donne-moi le détonateur. C'est rien que des robots de guerre décrépits. Je suis pas sûr que tu aies tout le monde, soit. Soit quoi? Adieu, Ratchet. Ratchet, on n'est pas en sécurité ici. Si on ne continue pas à avancer, les Thugs vont nous tuer. Bande de reptiles incompétents! Ils sont toujours en vie! On va s'en occuper tout de suite, Miss Prog. 5 au rapport! Je m'ennuie, j'ai encore tué personne. Bah, je te charrie, qu'est-ce que je peux faire pour... Le burger de l'Ombax pour la 3, c'est parti! Ratchet, attention! Tu es là-dedans?
J'ai pas envie de sortir. Tu ne peux pas rester là indéfiniment. Si, je peux. On n'aurait jamais dû les laisser se mesurer aux jumeaux sans nous. J'aurais dû leur dire de ficher le camp. Inutile de penser à ce qu'on aurait dû faire. On ne peut pas toujours tout contrôler, tu sais. Préfères-tu que je lui annonce la nouvelle ? Non. Je vais le faire. Ratchet, est-ce que tout va bien ? D'après votre unité NAV, vous êtes dans le secteur de Zarkov. On les a perdus. On a perdu Kronk et Zephyr. Vous les avez perdus ? Oh. Je suis vraiment désolé. Mais Clank et moi, on va les arrêter avant qu'ils fassent d'autres victimes. Écoutez-moi bien. Vous devez rentrer à Meridian City. Tal... Je t'en prie. Toi et Clank, vous... Vous êtes tout ce qu'il me reste maintenant. Il faut que je règle ça. Je te tiendrai au courant. Signifie Alpha 9. Ça veut dire hanté. Le président a fait évacuer tout le secteur quasiment du jour au lendemain. Et écoute un peu ça. Vandra et Neftin Prog figurent sur la liste des personnes évacuées. Il faut qu'on trouve un moyen de quitter la vallée. Un tremblement de terre. Tu en es sûr? Je ne vois aucune trace d'activité sismique dans l'histoire de Yerek. Clank, est-ce que tu as vu ça ? Vu quoi ? Rien. Non, rien. Alors, tu files en douce ? Pitié, je ne suis qu'un laborantin. Hey, il a un gravitarpon. Ça, c'est un vilain petit terracnoïde, pas vrai ? Ne me faites pas de mal, je n'ai rien à faire ici, moi. C'est Pollix que vous cherchez. Personne partira d'ici tant que le tu-sais-quoi sera pas terminé. Là-bas, allons, Max ! Je ne suis qu'un laborantin. Hé, hey, il a un gravitarpon. Ça, c'est un vilain petit terracnoïde, pas vrai? Là-bas, allons, Max! Merci beaucoup pour votre aide. Tenez, prenez ce gravita harpon en gage de ma gratitude. Pollix a mis au point ce gravita harpon pour faciliter ses déplacements sur la planète. Je vais devoir vous montrer comment il fonctionne. C'est un peu complexe pour une espèce primitive comme la vôtre. D'abord, lancez une impulsion gravitationnelle sur cette cible. On dirait que ça commence à rentrer. Maintenant, ça a marché. Maintenant, montez dans le courant gravitationnel pour aller de l'autre côté. Vous vous débrouillez très bien. Ensuite,
Je vous félicite, vous voyez? Vous y êtes arrivé, même avec un seul cerveau. Que j'ai vu Polyx, il se rendait aux cavernes d'Azeril. Je vous souhaite bonne chance, Lombax, et encore merci. Les cavernes d'Azeril se trouvent de l'autre côté de la montagne. Le plus court, c'est de passer par les égouts. Bien reçu. Merci, Tal. Je m'étonne que tu sois si partant à entrer dans des égouts. Les jumeaux ont tué Kronk et Zephyr. J'irai n'importe où pour les arrêter. Désolé. Ça grouille de thugs sur cette planète. Pourquoi font-ils des patrouilles dans un secteur hanté? Il se passe autre chose ici. Je vais essayer de vous envoyer des renforts. Tenez-moi au courant de la suite. Soyez le bienvenu dans l'armurerie Grumainnet, votre destination de choix pour acheter armes, munitions et améliorations.